Je teste les pâtisseries de Cédric Grolet, épisode 2, c'est parti. Alors du coup, il nous en reste 3, la noix de pécan, le fruit de la passion et la pomme. Et du coup, je pense qu'on va commencer par la pomme. Hop, elle est vraiment très belle, cette fois-ci elle est rouge. Il y a toujours la petite queue là, qu'on aime bien. Allez, on la coupe. Oh, regardez à l'intérieur, on a des morceaux de pomme et franchement ça a l'air succulent. Allez, 1, 2, 3. Oh là 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 là, je crois que c'est ma préférée pour l'instant. Ça explose dans la bouche, c'est vraiment super bon. Je vais mettre 20 sur 10 là pour cette pomme. Alors on continue, et donc pour rappel, n'hésitez pas aussi à commenter cette vidéo, parce que je vais tirer 2 personnes parmi les commentaires pour venir tester avec moi ces pâtisseries là dans une prochaine vidéo. Et vous gagnerez aussi 20€ si vous êtes abonné. Donc je pense qu'on va attaquer avec la noix de pécan, et on finira par le fruit de la passion. Du coup regardez cette noix de pécan, elle est vraiment super belle. Je sais pas comment il a fait ça Cédric, quel moule il a utilisé. Le trompe-l'œil est vraiment réussi. 1, 2, 3. Ouh, là ça croustille bien comme j'aime. Regardez-moi ça, le cœur coulant. Allez, bon appétit. Sucré salé, c'est vraiment très bon. Et du coup, pour terminer, on a le fruit de la passion. Regardez.